Si vous me regardez maintenant en direct en première, nous sommes le jour de Noël, le 24 décembre, peu importe l'année, car cet enseignement peut être vu à n'importe quelle année, car chaque année c'est le même combat. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre Noël. Je fais partie des personnes qui font contre. Les arguments sans cesse répétés de ceux qui sont pour Noël, c'est « ce n'est pas grave, ce n'est pas occulte, ce n'est pas méchant. Au contraire, c'est une fête familiale, c'est une fête pour les enfants, nous nous retrouvons en famille. » C'est peut-être même le seul moment de l'année où nous nous rencontrons. C'est fraternel, nous faisons des cadeaux, il y a les valeurs de la générosité. En plus, nous, en tant que chrétiens, fêtons la naissance de Jésus, même si nous ne savons pas quand il est né, c'est pas grave. Nous le célébrons tous les jours, pourquoi pas le 25 décembre. Je ne vois pas où est le problème. Ces arguments sont extrêmement beaux. Ils sont extrêmement sages. Ils sont extrêmement justes. Pour la sagesse humaine charnelle, pour la justice charnelle et humaine. Malgré que vous sachiez, mes frères et sœurs en Christ, que cette fête est une récupération de fêtes païennes, mais non seulement païenne, mais druidique, wicca, occulte, sorcellerie, d'adoration du système des saisons solaires. Oui, Dieu a créé cela, mais il ne faut pas mettre la création au-dessus du Créateur. Je ne vais pas vous faire toutes les explications de ce qu'était Noël et comment cela a été récupéré par le système romain, par l'empereur Constantin, par le catholicisme, puis par l'enfant bien-aimé du catholicisme, le protestantisme, et de son petit-fils, les évangéliques et pentecôtistes, car vous le savez sûrement, sinon renseignez-vous. Mais ceux qui pratiquent Noël font abstraction de cela en disant « ce n'est pas pour cela que nous le faisons. Donc, ce n'est pas un problème. Écoutez, ce que vous êtes en train de faire, c'est comme si vous rentriez dans un temple satanique rempli d'adoration au diable, d'esprits antichristiques, d'esprits de démons qui combattent Dieu, rempli d'abominations, et que vous mettiez une nappe blanche et que vous louiez Dieu en disant « Peu importe l'endroit où je me trouve, c'est un lieu d'adoration satanique, mais moi, ce n'est pas ce que je fais, ce n'est pas mon intention, donc je suis pur. » Non, tu es impur car tu es rentré dans le temple de Satan. Suis-je en train de dire que les valeurs familiales sont mauvaises? Non. Suis-je en train de dire que faire une fête avec les enfants, c'est mauvais? Non. Suis-je en train de dire que faire des cadeaux? Non. C'est comme ça que le diable vous tient, avec plein de bonnes raisons, avec plein de bonnes choses. Comme un brigand qui veut vous empoisonner, va-t-il vous donner une bouteille avec une tête de mort dessus? Non, il va vous donner de bons bonbons, en deux mots, de bonnes choses sucrées, alléchantes. Et vous, vous dites, mais non, il n'y a pas du poison, regardez comme c'est beau, regardez comme c'est joli. Et de toute manière, je n'ai pas l'intention d'être empoisonné, donc je ne serai pas empoisonné, vu que je ne considère pas le poison qu'il y a dedans. Mes frères et sœurs, le pour et le contre Noël n'est pas une question d'argumentation intellectuelle. C'est une conviction spirituelle. Je n'essaye pas
de convaincre ceux qui ne veulent pas être convaincus. D'ailleurs, ils sont peut-être en train maintenant d'aller acheter des cadeaux. Ils sont attablés à manger ce qu'on leur dit de manger. Je suis là pour essayer de sauver un petit nombre, s'il est encore possible, que vous réalisiez que vous êtes en train non seulement de pratiquer une coutume du monde, une coutume ancienne, occulte et moderne, commerciale, et que vous vous justifiez par vos bonnes intentions. Creusez, recherchez la source de Noël, comparez avec les valeurs bibliques, et vous verrez que cela n'a non seulement rien à voir, mais cela est opposé, antagoniste. Pensez-vous que si Jésus viendrait un 24 ou un 25 décembre sur la terre, irait-il célébrer Noël avec vous? Priez, réfléchissez, je vais prier pour vous. Seigneur, je te remets cette personne qui me regarde maintenant. Tu le bénis, tu le convaincs, tu lui montres, tu lui révèles de manière spirituelle pourquoi Noël est mauvais alors qu'il pense que c'est merveilleux et qu'il fait même un acte pour toi, Seigneur. Que ton Saint-Esprit agisse maintenant et révèle dans son esprit, dans la prière, dans les rêves, Seigneur, ce qu'est exactement Noël et si cela te rend vraiment la gloire et si cela est ta volonté de pratiquer cette fête païenne. Dans le nom tout-puissant de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je ne vous souhaite donc pas un joyeux Noël. Pour les autres vidéos que j'ai faites les années précédentes concernant Noël, vous pouvez aller sur tvjesuchrist.com et également sur tvyeshua.com. Shalom.